Vous allez le planter vous-même. Moi, je n'achète plus. Nous, on n'achète plus les trucs. Regardez, voilà notre plantain ici. Regardez. Tout ça. On n'achète plus au marché. Hein. Tu vas acheter la nourriture au marché alors que tu en as plein, hein, gogo. Hein? Tu en as plein. Hein? Tu en as plein. Tu en as plein. Tu en as plein. Regardez. Les filles, il y a encore du terrain. Je vous dis, il y en a encore. Vous pouvez le faire. Il y a encore du terrain. Il y en a. Arrêtez d'aller les dire que. Oh là, on a Montfébé. On a machin. Non! Tu peux vivre à Montfébé, mais avoir une maison de campagne. Une maison de campagne, une villa de campagne. Une villa de campagne où tu te retires. Tu évolues. Regardez tout. Regardez vous-même. Vous voyez? La maison est là-bas. Hein? Voilà la maison. Regardez tout ce qui est autour de la maison. Ça, c'est une richesse que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Rien que ça, c'est la richesse, mes cocos. Rien que ça, c'est la richesse. Ça dit que quand une femme, tu as ça, tu vas encore dire quoi? Tu vas dire quoi? Qui va même t'insulter? La personne qui t'insulte, c'est qu'il est bête, il ne connaît rien. Il est toc toc, il n'a rien dans l'eau. Qui va ça être une wata? Personne ne peut t'insulter. C'est franchement les filles, battez-vous, levez-vous. Hein? Compresseur, tu es au Cameroun en ce moment. Ma chérie, tu es au Cameroun, j'ai vu que tu es arrivé au Cameroun. Bats-toi. Au lieu d'aller t'asseoir là-bas au quartier avec ta soeur et tout, à parler des trucs inutiles. Tu as le terrain. Tu as le terrain. Investis sur ça. Profite, fais les champs. Fais les champs. On a un champ, oh. Tu veux la où? La où elle est là. Donc, battez-vous les filles. J'étais sur compresseur. Ce n'est pas un reproche, non. C'est pour t'ouvrir les yeux, ma chérie. C'est pour t'ouvrir les yeux. J'étais vite hier au Cameroun. Ne perds pas le temps à boire les alcools. Va faire tes trucs dans ton terrain. Va faire tes trucs. Papa Antoine, oui. Tu me dis quoi? Bonjour. Bonjour. N'est-ce pas? On est là-bas de l'autre côté. On est en train de faire les champs de Folon et de Zom. Ah, tu voulais, tu viens, hein? Tu veux aller en Balmayo? Oui, je venais prendre mon truc. Ta montre. Le père s'est dit que il est venu chercher sa montre qui came de Mbeng. Il va la ranger. Il n'a pas les piles sur ça. La matin, il a pris la montre. Maman, il a pris la montre. Bon, vous allez travailler avec moi. Hein. Vous allez travailler. Je vais poser le téléphone quelque part et on va travailler ensemble. Voilà, on va poser, je ne sais pas où. Hey, pardon, excuse-moi maman, j'ai pas vu, désolé, excuse-moi. J'ai dit que papa, le gars là, un paresseux. Non, ça va. Là-bas, de l'autre côté là-bas. Oui, je fais les sillons. Donc même si on l'a, on le reproduit, c'est tout. Oui, oui. Oh, j'ai renvoyé les gars là, je n'aurais même pas dû. Hein. Ils devaient m'aider à tenir le téléphone au moins avant de partir. Je cherche comment vous allez voir comment je travaille. Donc...
Non, arrête le commissaire. Non, je creuse, je fais les sillons. Ah, ça fait longtemps et que papa en tôle, c'est tout ça doucement. Ça va aller. C'est tout. J'arrive. Ok. C'est le sport, hein. Ça fait longtemps, là. Donc, je fais les sillons pour. Elle va mettre les boutures de maillot. Je fais les sions, hein. Donc, maman va mettre les boutures de manioc. Quoi qu'elle ait pensé celle-ci parce que elle est. Multifonction. Je crois qu'elle va aller chercher en bas pour que vous voyez bien. Parce que là. Merci. Envoyez les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs. Aïe. C'est le sport, hein. Ouh. Là, tu cultives piment, pardon, j'aime le cou rouge. Vous aussi, dis donc. Quand on fait le sérieux, vous êtes toujours comme ça. Quand on fait le sérieux, vous venez toi et les faux, ouais. Le piment vient chercher quoi ici? On est au champ. Dis donc, on est au champ. Là, on est au champ. Toi, tu viens parler du piment. C'est comment même à Eve? Vous aussi, vous exagérez. Là, c'est le moment du chant. Là, c'est le chant. Là, c'est le moment du chant. Là, c'est le moment du chant. Le piment, c'est en France. Ici, au Cameroun, c'est le chant. C'est le chant. C'est la bananeraie, c'est le plantain, c'est le maillot. Ici, c'est le chant. Le piment, c'est en France. Au Cameroun, c'est le chant. Ici. Et ici même, c'est même plus René Sadelille. C'est une autre personne. Laissez les affaires que piment. C'est en France. Vous parlez de piment quoi? On est en plein, on est au champ. On travaille. On se raconte. Je vous montre comment une femme doit s'y prendre. Vous avez parlé de piment. Quel piment? Vous avez vu le piment ici? On parle du champ. Là, je suis en train de faire les sillons. Je vous ai dit, envoyez les cœurs pour maman, les étoiles pour maman. Elle va mettre, c'est elle qui fait même tout le travail avec papa. Moi, je suis seulement là, bon, pour animer la galerie. Et pour vous montrer que la femme fait ça. Votre corps est maintenant. Mais c'est quoi maintenant là? Ça a quel rapport?
avec le champ. Hein? Donc on doit faire rapport maintenant avec le champ. Donc, on doit faire rapport avec le champ. Voilà. On dit que c'est ça qui est bien pour toi, la petite là. Non, la grosse, la petite elle dérange. La grosse qui est mieux. Tu l'as donné ça moi. En plus, la terre, elle est molle. C'est qu'il y a beaucoup plus. Une bonne terre. C'est pas les roues que j'avais ramené de... Non, les roues là ont perdu... Leur hache. Mais j'ai gardé. Oui, parce que c'était aussi bien. Tu as acheté ceci où? Je vais mettre le gombo. Il me dit de diminuer le gombo qui est là-bas. Que je mette, ça va donner. Je vais encore mettre le gombo. Parce que quand il y a le gombo, parfois je cueille des bassines. Des bassines. Vous voyez, la matière est en bégué. Ah, voici. Elle travaille. Je mets le gombo ici, le piment là-bas. Le petit piment qui est trop. Alors, elle parle. Et les petits piments verts là, sont très bons. Ici là, je ne vais pas enlever pour nettoyer le ventre. Ça c'est... Il de l'énergie. C'est pour préparer le péro. Il de non. Donc je n'enlève pas. Je voudrais avoir un sillon qui est seulement ça. Regardez, l'arbre, le truc ici. Le watali. Le watali pour préparer le héros, pour les gens qui aiment le héros. Le watali là. Je vais conserver ça sur ce sillon. Je ne vais pas enlever. Il a poussé naturellement. Ah, même de l'autre derrière là-bas aussi. Donc je voudrais la voir régulièrement. Elle est un bengé. Ouais, vous aussi. Ah. Elle, maman vient de dire là qu'elle va mettre les petits piments. Les petits piments verts là. Vous connaissez les petits piments verts, non? C'est vrai qu'il n'y a plus ça au marché. Les petits piments verts, verts, là, que quand tu te purges avec. Les femmes, là, vous qui avez les problèmes avec des ventres, là, les petits piments, là, tu te purges avec, ça nettoie. Elle va mettre ça. Parce que, attendez. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Regardez, ça, c'est le mesop. Attendez, je vous montre le mesop. Vous connaissez le mesop, non? Voilà le mesop. Vous avez vu le mesop? Ça, c'est le mesop. Il va vous dire mesop. Mesop ma. Shivani a bon mot mesop ma. Hein, Shivani? Mesop ma. Ou pour le mesop à Tanouan. On a jamité. Ou bien, ils ont à Cameroun. Ou m'a séché. Tu peux faire les sauces avec enfant. Regardez. Moi, j'ai ça à la maison à Lille, bien même. Voilà le mesop. Ça, c'est le citronnier. Je vais prendre le banc, je vais poser dessus parce qu'on ne voit bien. Donc comme je vous disais, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est le sillon de Kelen Kelen. Regardez le Kelen Kelen. Ça c'est le sillon de Kelen Kelen. On vient de repiquer. Ça c'est le zoom. Le zoom pour faire le sanga. Ça c'est le zoom. Ça c'est le zoom. Le sillon de zoom. Ça c'est le zoom. Et là c'est le folon. Le folon qui est en train de pousser partout, partout. Après, on va repiquer pour faire d'autres sillons. Ça, c'est aussi... Elle a mis la... En fait, elle fait la pépinière. Après, maintenant, quand elle finit la pépinière, elle refait maintenant les sillons comme on est en train de faire là. Mais il y avait la grosse roue aussi, on n'a pas pris ça. Celle-là aussi, ça avait ça comme Bombo travaillait souvent en colo, non? La grosse roue aussi. Bombo a tout. Moi, j'aime bien la grosse roue aussi. Bombo a toujours utilisé la grosse roue aussi.
Ça, c'est mieux même que la hache là. Je vais chercher. Je vais chercher le banc. Vous allez travailler avec moi. Ah, maman est à... Regardez, elle est au champ. Maman est en Europe. Pour vous dire, regardez, le... ça c'est le quelqu'un. Ah, c'est le cyclonier. Voilà, ça c'est le... Bon. Le zomamé. Et ça fait les semences. Voilà la semence du zomamé. C'est-à-dire que quand tu veux manger le zom qui est amer, c'est ça là. Et ça produit les semences. Ça produit les semences. Ça c'est... Ah, les bananerets qui continuent. Il y a les cannes. Voici les cannes. Voilà les cannes. Vous voyez, il y a les cannes. Il y a tout. Hein. Il y a les cannes. Voilà les cannes. Regardez les cannes. Aujourd'hui, on va travailler ensemble. Regardez les cannes. Vous avez vu les cannes? Il y a tout. Il y a les papayers. Il y a tout. 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 Je vous ai dit, ne bois minga, les filles, ne perdez plus le temps à dire que Yaoundé. Allez, il y a les petits coins. Sur la route d'Insimalène, vous avez. Ici, même là où j'ai pris, ici, là, il y a le sénateur qui vend les lots. Il vend les lots. C'est-à-dire que le sénateur a tout couvert le lot. Tu veux 2 hectares, tu me contactes. Tu veux 3 hectares, tu me contactes. Je vous mets en relation avec le sénateur. Vous allez avoir les lots. Regardez le front. Les lots, les sillons. Les lots, regardez-le. Ça, c'est les arachides. Vous allez avoir les lots. Regardez. Ça, c'est les arachides. Ici, là, c'est fini déjà. Et ça, c'est les arachides qui seront mangés en décembre. Ça, c'est les arachides. Les arachides, ça va être mangé en décembre. Ça, c'est les arachides. Et voilà d'autres cannes. Voilà d'autres cannes. Vous avez les cannes. Vous avez vu les cannes. Il y a tout, pratiquement tout. Vous avez vu. Donc, je vous dis, les filles. Ah, regardez. C'est grand, c'est grand. C'est tellement grand, regardez. C'est grand, ça va jusqu'au fond là-bas. C'est grand. C'est pour vous amener. Non, meninos, meninos, vous pouvez faire pareil, regardez. Pareil. Voilà la voiture qui est garée. Là, là on a au mode champ aujourd'hui, de l'autre côté. Et ça, c'est de l'autre côté de la maison que nous sommes. De l'autre côté de la maison. C'est là où nous sommes. Par contre, j'ai un problème ici, là. Comme les gens, les techniciens, j'étais tombée sur des mauvais techniciens. Ils n'avaient pas mis les... Vous connaissiez les tuyaux, non? Les tuyaux qui récoltent l'eau de pluie. Les tuyaux qui récoltent l'eau de pluie, ils n'avaient pas... Ils n'ont pas bien mis les tuyaux qui récoltent l'eau de pluie. Donc, du coup, quand la pluie tombe, ça abîme les murs. Ça abîme les murs de la construction, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. C'est, l'essentiel est que on va arranger ça après. Le plus important, c'est que tu puisses avoir à manger et faire des trucs, des récoltes. Regardez le maïs. Ça, c'est en décembre, le maïs. En décembre, on ne va pas acheter le maïs au marché. En décembre, on récolte, on va le... maman, comme elle est ici avec papa, ils vont aller... Ils peuvent envoyer peut-être les chauffeurs amener ça en Vombi. Voilà aussi les avantages. Envoyer le chauffeur déposer ça en Vombi. Commencer à vendre. Même le tas à 5500. Ça fait entrer l'argent. Ça fait entrer l'argent. Regardez-vous, mes chéris. Hein? Avec ça, vous voulez dire que la vie est quoi? Au lieu que tu vois une fille là, les ongles sont seulement longs comme ça, là, comme tout. Tu vas même lui dire que touche la tête. Hey, moi, je ne peux pas toucher. Il y en a qui vont te dire hey, moi qui va payer la qualité. Non, 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 non. Alors si. La vie est dure. La vie est devenue dure au Cameroun. Alors si, maman, si tu trouves là où tu as ta terre, ma chérie, crée, investis dessus. Tu fais ça. Tu ne vas rien manquer, ni de la nourriture, ni rien. Et tu mets tes parents dedans. Et ça fait du bien. Donc, ça, c'est la banane. Ça, c'est la banane. Ça, c'est la banane. De l'autre côté, c'est les... Voilà les plantains de l'autre côté aussi. Donc, bon, je viens faire les sillons. Maman dit qu'elle va vous montrer le reste. On va travailler ensemble. Parce que quand il ne fait pas très chaud, là, il faut profiter de faire vite de rembourrer la terre. Parce qu'après, quand il va faire chaud, on ne pourra plus.
Chez Vania Abomo, tu connais ça, non? Chez les étons des mangues, ça va. On te part si. On va combler Sion. Ça, c'est la roue qu'on peut utiliser quand elle se laisse dans ses champs. Ma grand-mère, à l'époque, quand on allait dans le champ, moi, j'ai. Vous savez pourquoi j'aime la nature? Parce que j'ai vécu dans. J'ai été élevée dans ça. J'ai grandi dans ça. Ma grand-mère était infirmière et cultivatrice. Donc, elle travaillait à l'hôpital. Ma grand-mère, et je suis son homonyme, elle travaillait à l'hôpital et elle était aussi cultivatrice. Donc, j'ai pratiquement fait comme elle. C'est-à-dire que elle avait construit en plein forêt nature. Elle avait les hectares de champs, de manioc. De manioc, de plantain, maïs. Quand elle n'est pas à l'hôpital, elle est dans ses champs. Et c'est ce que ma mère a reproduit. Et c'est ce que moi aussi ai reproduit maintenant. Pareil. Et c'est ce que ma fille va reproduire, Léa. Parce que quand Léa, vous voyez, vu quand la dernière fois quand Léa était ici, elle récoltait les arachides. Donc c'est une histoire de famille. Satan imut. Mais ça c'est comme ça qu'on faisait avec Mbumbu. Je fais là comme elle faisait. Vous faites comme ça et après vous repartissez. Ça doit prendre tout l'espace. Vous creusez comme ça. Après vous repartissez les sillons. Vous repartissez les sillons. Vous repartissez les sillons. Hein? Ah. Lundi tu piques. C'est physique. C'est vrai que c'est pas évident quand tu as tu mets du temps sans travailler. C'est pas. Mais bon, quand vous venez quand même en vacances, au lieu de rester à jouer la vie à Yaoundé, vous profitez, faites les travaux champêtres dans votre environnement. Non, 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 juste un peu légèrement. Merci pour les cœurs, hein. De ceux qui mettent les cœurs. Ah. Ah, donc ça, vous faites comme ça, là. On met les cœurs. Les gens réagissent. Ils t'ont déjà envoyé beaucoup de cœurs, là. Comme je suis beaucoup de Ils réagissent. Ils mettent beaucoup de cœurs. Et bon, ceux qui veulent mettre les étoiles, pour te faire un peu de sous, ils font, ils mettent. Mais bon, c'est pas grand-chose. Moi, j'aime pas ça. Même pas trop la tête des étoiles, là, ça en train d'apparaître. Ça fait que les gens ne veulent plus rien faire. On va aller de ça.
Oui, j'ai beaucoup bossé. Hey. Si on fait un sillon aujourd'hui, c'est beaucoup. Les poules ne me laissent pas. Maman dit que les poules ne la laissent pas. Elle, regardez, là voilà, elle était un beng, là voilà, au champ. Au champ, avec sa fille, au fourneau. Pendant qu'elle est désherbe, moi je fais les sillons. C'est-à-dire qu'on désherbe, elle désherbe. Après, quand elle finit de désherber, moi je fais les sillons. Je fais les sillons. Les filles qui cherchent le mariage, là, voilà ce que vous devez faire. Hein? Voilà. Et vous devez faire. Te lève le matin. Tu vas au champ. Ça n'enlève rien. C'est important, c'est bien. À chaque fois, il faut toujours retourner derrière pour malaxer la terre. Malaxer. Le palmier, si il n'y a pas les noix dessus, il a vieilli. Il va seulement servir de déco, de décoration, ou bien vous allez le couper. Parce que même ça, même. Il va couper, vous faites le vin de palme. Parce qu'il ne peut même plus, même la déco, c'est même plus possible. Il ne donne plus. Il ne donne plus. On fait souvent, c'est quand il y a ce genre de palmier. Tu attends, tant qu'il y a les étrangers. On coupe. On fait le vin de palme. Tout à l'heure, je vais vous montrer le palmier là. C'est un palmier, en fait, qui a déjà beaucoup d'années, voire même de. Je sais pas. Vous savez, les palmiers vieillissent comme les. Qui a déjà vraiment vieilli. Donc, il ne peut plus produire les noix de palme. Il ne peut que produire maintenant du vin de palme. Donc, et ce genre de choses, on le fait que quand tu as des grands étrangers, tu entres dans ta plantation. Donc, il y avait les pommes de terre, mais on savait rapide. Tu avais mis les pommes de terre où? Ça a donné les petits. Tu entres dans la plantation maintenant. Si tu as un vieux palmier comme ça, comme celui-ci que je vais vous le présenter, vous l'abattez et vous faites les vins de palme parce que ça ne peut plus produire les noix de palme. Et vous recevez donc vos invités avec, vos grands invités, pas les invités. Les gens aiment bien le bio. Les invités qui aiment bien le bio là. Voilà. On va décaler un peu. Ça te fait du bien. Non, ça va, ça me fait le sport. Je vous dis alors que monsieur d'avoir lavé le matin avant de venir au champ. Je me suis lavé. Mais après le champ, je vais encore me laver. Ouais. Elle m'a attrapé. Elle dit que ici aujourd'hui, tu ne sors pas. Au champ. Je vais faire comment? La matière. C'est elle qui décide. Elle voulait sortir. Elle dit que jamais, il n'y a pas de sortie aujourd'hui, journée champ. C'est ça que vous me voyez dans mon champ aujourd'hui. Donc on dit que bon, comme elle m'envoie au champ, je vais profiter avec vous. Vous voyez un peu comment ça se passe. Que bon, même si je suis là-bas avec vous, je fais aussi ça. Je fais aussi ça. J'entre dans la boue du pays. Regardez. Voilà. Vous savez que nous, les étonnes et les manguissas, c'est dans nos gènes. La terre.
Donc, vous, je ne pouvais pas aller habiter quelque ailleurs, non. C'est la terre, c'est dans nos gènes. Shivani Abomo, tu en sais quelque chose, non? N'est-ce pas, Shivani? Tu étonnes? Abomo, c'est chez les étonnes, même ou même les manguissas, je crois bien. Tu en sais quelque chose? Que nous, chez nous, c'est la terre. Nous, John Obel, si on a comme propriété. Donc, mimi balme si mal, mininga comme poup, mite exploité me poup, me si mette le mot poup, na au coussi ou malon, ou peut on a comme poup, tout autour de Ndayo, c'est important. C'est fini le sillon là, super. Je vais seulement arranger après, on finit là, j'arrange. Malheureusement, nous on n'a pas le truc qui passe ici là. Comment on appelle ça là? L'eau. On n'a pas l'eau. Ah, la petite rivière. On n'a pas de petite rivière ici, c'est pour ça qu'on ne fait pas la pisciculture. Nous, on ne fait que la culture, l'élevage. La culture. L'élevage. Et l'élevage des poulets, comme vous avez vu là, les poulets du village. S'il y avait une petite rivière qui passait là, qu'on allait faire les étangs de poissons. Mais j'ai voulu faire ça comme la manière des blancs. Maman a dit que non, c'est pas bon. Il faut le bio. Il faut le bio. Bon, voilà votre mère qui travaille. Elle déserte. Après, elle va faire les sillons. Président Paul Biya nous disait que la terre ne trompe pas. Mm-hmm. Quand il a commencé à dire ça, on s'est fâché. Que lui, il vit sur le luxe. Lui, il nous envoie au champ. Depuis que je suis retraitée, j'ai compris que la terre ne trompe pas. Je n'achète pas grand-chose maintenant. Mes enfants aussi. Quand j'ai fini de s'aimer comme ça, hein, je vais leur rendre, je dis, le pomme, je cueille le pomme, beaucoup, beaucoup, un paquet pour chacun. Écoutez, maman, j'ai fini de piler, chacun a un paquet de pomme. Le folon, j'ai fini de goûter, chacun un paquet de folon. Je dis, mettez dans le congélateur. Le manioc, j'ai fini d'éplucher, mettez. Les enfants n'achètent pas la nourriture, rien que les sauces qu'ils achètent. Maintenant, le poulet de village est que quand ils arrivent, on tue seulement. Donc, vraiment, les jeunes, ceux qui ont les moyens, acheter les terrains pour construire les maisons, mais acheter aussi le terrain pour faire les champs. La terre ne trompe pas. Je te dis, quand tu as le champ, tu ne dors pas à famille. Quand tu es en Europe, quand tu reviens au pays, tu vas dans tes champs. Si tu as encore les parents, ensemble, partez au champ, couper le plantain, vous venez préparer. Si tu n'as pas les parents, tu pars dans ton champ. Personne ne te demande quelque chose. La terre ne trompe pas. Ici, là, moi, je fais à la manière moderne. Hein? Je sors le truc. Ah! À la manière moderne, chaque côté, il y a quelque chose, il y a une partie pour les cannes, une partie pour les papayes, une partie pour le macabo, une partie pour le manioc, je ne mélange pas. C'est très important. Je suis retraitée, je me suis reconvertie. Je vis bien.
J'étais là-bas chez vous. J'ai compris que ce n'est pas mon milieu. Je suis rentrée. Je reste toute la journée à la maison. Quand ton enfant rentre, vous partez vous promener de boutique en boutique. Et que, ça, c'est quelle vie, ça? Une femme de mon âge. Yo. Ah, il chauffe le moteur. C'est quand tu n'arrives pas à manger. Il a les mauvaises heures. C'est quoi que cette parole? Maman dit qu'elle était là-bas. Elle n'a pas pu supporter la vie d'un bain. Elle dit que tous les jours, les magasins ont dépensé l'argent. Je veux rentrer. Pardon, ils m'avaient retrouvé méchant. Je dis que tu rentres quoi? Je dis que, pardon. Je dis, mais tu ne restes pas. Hey, je fais quoi ici là? Pardon, je rentre. Voilà son quotidien. Hein. Et ça lui fait plaisir, même papa, pareil. Ça, c'est leur quotidien. Tout à l'heure, à 10h, je vais aller prendre le petit déjeuner. On se repose un peu, on revient au champ. Ouais, comme normalement, les herbes que tu as enlevées, si on met ça à l'intérieur des sions comme Bombo faisait. Mais ça, là, les sions sont déjà prêts. Ah, ok. Ça, on avait déjà fait. Maintenant ça a poussé. Ça a poussé à l'air. Oui. Or, moi je dois. Et que les poulets, si. Je dois repiquer. Allez là-bas. Je dois repiquer, je ne peux plus mettre dedans. Oust! Coquette. Je ne les appelle pas ici. Ah, c'est là-bas. Si je les appelle ici, ils vont nous envahir. Ils ont même déjà envahi. Ils sont tous là. Allez, allez à la maison. Ne m'attendre là-bas. Allez. Allez, j'ai dit que les poulets là c'est les microbes, hein. Allez là-bas. Et les poulets du village là sont sucrés, hein. C'est bon jusqu'à. Quand tu prends un, tu dégorges là, tu fais la sauce d'arachide dedans, c'est très bon. J'essaie d'arranger le sillon là. Voilà. Les gens vont se rendre le gombo. Et piquer. Et piquer. Merci le gombo. Alors, on a mis la bosse. 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 Tu vas leur montrer le cultivement qu'on a récolté dernièrement. Pas mieux nous à ma condamne. À ce pas. C'est bon, non, on y va. On va. Puis ça. Le vin. C'est le vin. Le vin de palme. Voilà, baby cop. Mais coucou. Tu vois donc, moi je n'ai pas de problème. Non, pas du tout. Chaque matin, je mets mes habits, je viens rester chez toi avec. C'est pour ça que j'avais fait ça, non? Pour que vous soyez bien. Allez, sans problème. Quand tu n'as, vous êtes dans votre plantation là, sans stress. Sans stress. C'est une façon de faire le sport aussi. C'est une autre forme de sport pour qu'il y ait les parents là. Notre forme de sport, travailler dans les champs là, c'est du sport. J'ai bien travaillé là aujourd'hui là. Je dis, hein, va loin, os. Ah, les poules, c'est ils sont nuisibles. Hein.
Ce n'est plus la période de semer les arachides là. C'est déjà passé là. Maintenant, on attend décembre. On attend décembre. Choupita la merveille, bonjour, courage. Merci. Courage, merci, merci les filles, merci. Vous aussi, vous devez les faire. Pas seulement que courage, courage. Vous devez aussi faire comme moi là. Faites-le. Hein, Choupita. Choupita la merveille. Tu vas faire ça. Je sais que tu m'avais dit que tu allais le faire. Faut faire. Faut faire ça. Je connais tes terrains là, il faut travailler sur ça. Choupita la merveille, ne laisse pas les terrains dans la... sans rien faire sur ça. Tes terrains là que je connais là, il faut travailler sur ça ma chérie. Même comme tu n'es pas là, si les parents sont là, tu envoies l'argent, ils vont travailler. Tes frères et soeurs, pareil, tu leur fais travailler sur ça. C'est bon. C'est important. Comme ça, quand tu arrives, toi-même, tu te mets aussi au fourneau. Vous avez vu la dernière fois Coco a janté l'artiste dans son, dans sa plantation, non? Je crois qu'elle était là la période où on faisait, on semait les arachides. Elle était dans les champs. Une grande artiste du Cameroun, Coco a janté, dans les champs. Elle a enlevé les ongles et j'ai apprécié, j'ai aimé, waouh, j'ai partagé ça. J'ai dit, voilà une vraie femme. C'est-à-dire, donc, si Coco a janté fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Elle a montré que, tout le monde peut le faire. Donc, faites comme Coco a janté. Travaillez les champs. Si vous avez des terrains, vous avez des terrains. Compresseur, ton terrain que je connais, je pense que je crois qu'il doit être soit au Djao, soit où là, je ne sais pas. Non, je sais pour lui dire comment elle doit faire. Ce n'est pas les secrets. Le terrain que je connais là, travaille sur ça. Comme tu n'es pas là, comme tu es arrivé, je sais que tu es au Cameroun parce que j'ai vu. Profite. Et je vois qu'en ce moment, tu n'as pas les ongles. Profite, tu vas là-bas, tu fais les champs. C'est la période de cultiver certains trucs. Le manioc, voilà. Maman dit le manioc. Tu peux cultiver le manioc. Je ne sais pas pour combien de temps tu es là, mais tu profites de ça. De ton séjour au Cameroun, tu vas là-bas, tu cultives, tu fais le. Tu produis le. Tu mets le manioc à terre. Comme ça, en partant, quand tu vas revenir, ça a bien produit. Ça a bien produit. Et. Comme tu fais les dons des orphelins, tu récupères ce manioc, tu vas donner dans les orphelinats. Et ce sera bien, ils vont les manger. Ça te fait même économiser de l'argent. Tu peux toujours acheter les sacs de riz, tu récoltes tes sacs de manioc, tu vas donner dans les orphelinats. Donc les filles, la terre ne trompe pas. Regardez. Elle ne nous trompe pas. Confirmer le Cameroun est doux. Eh oui, 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 oui. Je vous dis. Oui, oui. Est-ce que moi, vous voyez, non? Est-ce que je stresse là? Regardez. Le Seigneur nous a déjà beaucoup. Tout ce que tu sèmes pousse. En plus, c'est une bonne terre. Maman dit que la terre est tellement bonne que tout ce que tu sèmes, ça pousse. Tout ce que tu sais, ça pousse. On a un pays béni. Je vais vous montrer les petits, petits piments que quand tu te purges avec là, ça lave bien le ventre. Tu vas attendre que c'est là-bas où ça a planté. Ah. Et l'autre là, c'est le Dieu. Magnifique. Ah, il y a le chemin volé ma balle. Il est déjà lundi. Votre matin dit qu'elle a déjà aidé. Que lundi, elle va seulement se couvrir pour s'aimer. Je voulais sortir. Elle, tu sors où? Allez au champ. Elle va même aller les coulbas que vous voyez qu'elle porte là. Parce que chez nous, quand on va au champ, on porte les coulbas. En fait, parce qu'il y a les moutmoutes. Les moutmoutes, parce que les petites mouches là, ça dérange les oreilles. Il y a les moutmoutes. Mmh.
Bicon, binon. Aïe, bicon, me comme mouli. Bicon, binon. Papa a mis le plantain là-bas. Eh. Bicon, biwaka. Hey. Non. Un mouli, bicon, biwaka. De l'autre côté là-bas aussi, bicon, biwaka. Ok. Par contre, on a un problème. Le prunier, si. C'est le prunier ou c'est l'avocatier? L'avocatier. L'avocatier, si, ne va pas donner. Il va donner. Pas encore son temps, il va donner. Ah, c'est l'arbre pour le palu. Les cook. Oui. Je vais vous montrer les cook. Les cook. Pour les gens qui ont le palu, qui ont toujours le palu. Attendez, je vous montre. J'ai déjà fini mon sillon. Je vais vous allez profiter. Je vais vous montrer l'arbre du palu, hein, qui soigne le palu. Au lieu de. Hey, pardon, la mère, il va encore gronder ici là. Je pose les pieds sur son truc. Je vais vous montrer l'icouc. C'est l'arbre qui soigne le palu. Donc, au lieu de... Les écorces de palu. Non, je ne vais pas loin. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, c'est ça là. Icouquier, voilà l'icouc. Donc, ça là, les gens viennent ici. Ils entrent dans la construction, ils demandent, hein, ils n'entrent pas comme ça. Ils demandent et puis, regardez, ils arrachent. Ils arrachent, ça c'est l'icouc. Les gens qui ont trop de palu là, au lieu d'acheter le paracétamol, la quinine, vous avez ça l'icouc. C'est sur la construction. C'est sur le terrain. Donc vous voyez, la limite c'est là où vous voyez le grand arbre là. Le grand arbre couché là, c'est la limite. Parce que de l'autre côté là-bas, c'est le voisin. C'est le voisin, donc le reste là, c'est... Voilà, donc de l'autre côté aussi, vous avez la bananeraie. Et ça, c'est comme on disait, l'avocatier que maman dit que ça va donner. Là, ça aussi, c'est l'avocatier. Donc, il y a les arbres fruitiers, il y a le gombo, il y a tout. Donc, ça, c'est l'icouc. L'icouc, l'icouc, c'est là, c'est l'arbre qui fournit les médicaments contre le palu naturel. Voilà l'arbre là, regardez, c'est ça ici. Pour ceux qui ne connaissaient pas, montre le piment là. Ok, je vais vous montrer le petit piment là. Ouais, je vais vous montrer le petit piment. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Ceux qui veulent voir le petit piment, voici le petit piment. Ah ah. Attention les amis, voici le petit piment. Voilà pour ceux qui... voilà le petit piment que les femmes qui ont le problème de ventre là. Hein, voilà le petit piment. Vous voyez, non? Adèle Christelle, voilà le petit piment. Même pour purger les bébés, ça là, ça purge les bébés. Les bébés qui ont les tonnes au ventre. Ça là, le petit piment, si. Regardez. C'est ça, regardez. C'est ça. Vous ne voyez pas le petit piment. Voilà le petit piment. Donc, ça là, tu écrases. Après, tu n'écrases pas trop que ça fasse la pâte, non. Tu piles. Tu piles la façon pour faire les remèdes. Tu piles. Après, tu mets l'eau. Et tu te purges avec. Ça pique, hein? Ça chauffe. Ah, le petit piment ici. Vous avez vu? Et ça nettoie bien le ventre des femmes. Ça nettoie bien le ventre des enfants. Donc, voilà ça. Christelle Andela, tu as vu. Adèle Christelle, tu as vu le petit piment, alors? Petit piment, c'est ça ici. Pour le ventre. Ceux qui en auront besoin, vous me dites, je vais vous ramener ça. Une box, vous me dites, je vous ramène le petit piment pour vous. Pour ceux qui veulent nettoyer le ventre. Comme ça. Et ça nettoie aussi les ventres des enfants. Ça fait que les enfants n'ont plus à le manger. Les levures dans le ventre. Aïe. Oh là là. Ça c'est pas long. Non, c'est bon. Ici. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On va regarder maman travailler. Moi, je suis fatiguée. Salue-moi la mater. Puis chérie, la diaconesse te salue, maman. D'accord. Puis chérie, maman. Écoute, maman. Merci. Sois Béni.
Puis chérie, la diaconée, maman dit, sois bénie, merci. Regardez votre matin qui travaille. Je suis fatiguée. Voilà mon sillon ici. Regardez alors les microbes. Regardez, regardez. Les voilà, les poules. Yen kan. Regardez. Regardez leur travail. Et voilà. Aïe, tout le travail. Et Congolo Yvonne, bonjour. Voilà les moumoutes qui recommencent à nous appliquer. On va avoir, j'ai oublié. Voilà le palmier que je dis donc, je parlais là. Il ne va plus. Il a les problèmes. Donc celui-là, FBF, elle fait pour le vin de palme maintenant. C'est pour le vin de palme. Oh. Ouais, les filles, je suis fatiguée. Il y a à travailler jusqu'à. C'est pas facile, hein. Vous voyez ça comme ça, là, vous simplifiez. C'est pas facile. J'ai mis le rouge à lèvres pour aller au charge. Je vous dis, est-ce qu'il me sépare de mon rouge à lèvres? Je devais même sortir. Elle m'a seulement arrêté. Tu pars où? Là au champ. Je suis donc là. Je vous remets encore, maman. Ignace Bekolo, bonjour. Ignace dit bonjour, mère. Bonjour, ça béni. Bonjour Lisette Akoudou, merci pour les cœurs. Bonjour Lisette Akoudou, bonjour. Maman Lisette Akoudou te dit bonjour. Bonjour Lisette. Bonjour. Ah là là. Quand c'est décembre là, quand on travaille comme ça, merci Ignace. Quand c'est la récolte, hein, au fur et à mesure que tu récoltes, tu manges. Tu récoltes, tu manges. Mais là, comme c'est qu'on cultive, tu peux rien manger parce qu'il y a, à part peut-être s'il y a les papayes mûres. Les papayes et. S'il y a un régime de banane, on coupe. Et peut-être les prunes, mais les prunes là, c'est plus quand même la période. La période des prunes est finie. Et en saison sèche, tout ça va aussi. Après, on attend le mois de mars pour recommencer. Le... Vous voulez tout connaître? Oh. Non, toi-même, dis-le. Voilà, maman dit que c'est 1,5 hectare. Ignace Bekolo, ça va pour ta question? 1,5. 1,5. 1,5 hectare. Tu as compris, Ignace? Donc, si toi aussi tu veux comme ça. Pas d'avoir beaucoup de terrain. Hein. C'est juste de savoir s'organiser. On fait sa petite maison et puis on fait son champ pour ce qui. Voilà, vous avez compris, non? Tu as compris, Ignace? Bon, maintenant, ceux qui ont beaucoup de moyens, qui achètent 2-3 hectares, fait sa petite maison. Le reste, il faut faire une plantation. Ignace, le macabo, tu as compris? Ou alors cacao, parce que le cacao c'est le nouveau pétrole. Il y a le cacao là qui peut. Ignace dit que elle aussi elle a 1 hectare comme ça. Bravo. Maman dit que comme tu as 1 hectare de terrain comme ça aussi, tu peux faire aussi. Bravo. Maman dit bravo, Ignace. Tu fais ta petite maison dessus. Toi, tu fais ton champ. Tu fais une bananerie. Bon. Faut pas négliger. Donc, bravo Ignace Bekolo. Bravo.
Si tu n'as pas encore fait quelque chose dessus, tu peux construire au bon milieu, comme j'ai fait là. Et après, tu fais tout autour la bananeraie. Si tu as encore tes parents, ils vont le faire à ta place pendant que tu n'es pas là. Et après, quand tu viens, tu fais avec comme je fais avec maman là. Elle ne peut pas encore construire, qu'elle fasse le champ. Elle te dit merci beaucoup, maman. Elle te dit merci pour les conseils. Les enfants. Il veut couper. Hey. Ministre, dans votre conseil. Coquette. Je les appelle. Ah, il a déjà couru. Lève-moi, regardez vous-même. Lève-moi les micros. Et voilà. On est au champ, ils sont au champ. On va à la cuisine, ils sont partout, partout, partout. Il dit, voilà, au moment des moutmoutos. Je vous montre comment maman travaille. Maman qui travaille, c'est moi, je suis fatiguée. Voilà, papa ici. Chacun son sien. Moi, j'ai fait mon sien, c'est ça ici là. Alors, vous n'étiez pas. Ceux qui n'étaient pas là, moi, j'ai fait mon sien. Ça, c'est maintenant pour maman. Elle fait. Elle a fini de nettoyer. Les gens qui parlaient l'élevage des poulets là, oui, voilà, on a ça, il y a le, voilà le grand coq. Coq, 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 viens. Les poulets, nous on fait les poulets du village. Coq, coq, viens. Coq, coq, coq. Ça avait commencé par un mâle et une femelle. Voilà, voilà le mâle. Maintenant, on a une plantette. Les oiseaux les mangent bien même. C'est ça le problème, avec les éperviers là. Bon, je vais t'aider à faire le sillon là. Là, il n'y a pas de machette. Je te dis que machette, tu as fait ça, tu. Ouais, il y a tout que Junior me pas et ainsi. Le me bisa du moti. On a que Jou à pied le blanc. Tata ni moté. Normalement, au champ, ça c'est le champ qui est tout autour de la construction. Mais les champs qui sont éloignés de la construction, il faut prévoir à manger et à boire. Parce que la gorge, au fur et à mesure que tu travailles, la gorge, elle est sèche. Mais comme c'est les champs autour de la construction, quand on finit, là, on va prendre un petit coup. Vous savez, vous voyez les vignerons, non? Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu les vendages en septembre. Vous êtes allé faire les vendages dans les villes, non? C'est la même chose. Quand vous partez chez les vignerons, là, faire les vendages, vous pouvez aussi faire ça au Cameroun. Hein? Tu pars travailler là-bas, tu viens aussi au Cameroun, tu fais ta part. Au lieu de faire le rosin, tu fais le manioc, tu fais le banane, tu fais le maïs, tu fais le plantain.
entends? Pendant qu'eux ils font le raisin en France, tu viens au Cameroun faire le piment, le manioc, le maïs. C'est vrai qu'eux, ils ont les machines, mais nous, on a nos mains. Nous, on a nos mains. Nos petites mains, très précieuses, là. Comme je fais là. C'est pas bien. Une fois là. Après, tu vas planter. C'est une fois la même chose. Du coup, tu vas. Gombo. Ah. Le gombo, tout le océan, là, c'est le gombo. Ça commence. C'est un gombo qui est sûr. Quand les deux séances se verront comme un gombo, c'est un gombo qui est venu. Donc, c'est un gombo. Ah ah. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a beaucoup de moussapins. Il faut rajouter. Tu ne mets pas ce que tu as oublié alors de mettre ici, dans ces. Les céleri, les basilic, les. Je vais mettre maintenant que j'ai le persil. Maintenant que j'ai installé le forage, tu as de quoi arroser. Je vais acheter l'arrosoir. Tout, je vais faire tout jusqu'à la salade. Tu essaies encore un peu les pommes de terre, comme ça n'a pas marché la fois dernière. Si on est à tenir, hein? Il y a tenu. C'est parce que tu étais pressé quand on est venu te faire du riz. J'avais tout ici derrière. Mais c'est bon là. Ils ont le tout comme là. Après, s'il si pleut là, ça va se relever, non? Ça va se relever bien, mais. Oh. Tout ce que tu vois là, c'est comme ça. Comme je cultive, si ça finit, je remets décembre, moi j'aurai les légumes. Alors que les gens se les gens qui sont et c'est pas du bio. Alors, comme moi j'aurai l'eau. Allez à la maison. On est du goûter. On ne peut pas encore les manger, ils ne sont pas encore totalement fermes. Pas les poulets. Les poulets là. Oui, pas encore. Non, c'est pas encore. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Excusez-moi, je baille, je travaille. Je me suis oubliée à bailler devant vous, désolé les amis. Je travaille. Comme ça fait longtemps, c'est pas facile de prendre complètement la main. Deux, trois jours là, ça va aller. Mais bon, ça va. Un peu. La mère, si elle n'est pas alors travailler comme ça toute la journée, papa. Ah, quand il n'y a pas le soleil, moi. Mais moi, je l'aide un peu après. Je laisse. Il a mis cette bananier là-bas. Il commence à faire partie avec la marquette. Il a mis cette bananier qui est venu de l'autre. Il a mis un peu de conneries. Il conduit à même. Matcha, Yves. Et tout comme nous, 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 je connais ces machettes là, de très bonnes machettes.
Non, il est demi, là, il ne sera pas. Tant qu'il ne va pas se quitter, ça marche. Et si c'est que quand on va aller, il y a une délai. Ça alors, je suis quête. Moi, c'est bon. Fini là. Tu as quête. C'est un peu beaucoup. Ça, c'est pas encore. C'est une chance à être adulte. On finit cette chanson-là. Attention alors les bobos, hein. Ça va arriver, ça y a commencé à sortir. Ça va, c'est pas grave. Le Seigneur, c'est petit bobo. Bon, ça c'est parce que comme ça fait longtemps, je n'ai plus touché à la roue. C'est ça qui me fait sortir le bobo là maintenant. Quand tu as l'habitude, ça ne sort pas. Ouais. Peut-être que cette n'est pas adapté aux pommes de terre, il faut aussi savoir. Oui, on a fait pas mis les langues. Ah. On va prendre les caca de poules là-bas. Je suis la personne, mon frère, non, c'est bon. Tu vois quoi la corona? Non, c'est bon. Okay. Je dis que toi, si elle te suit, c'est bon. Non, c'est bon. Elle continue. Elle peut rester là toute la journée. Ouais, comme cacahuète, ou tout ma poussi. Il m'a dit qu'il peut manger les sèves là. Les sucer les sèves. Et après, c'est ça qu'on met au soleil. Et après, on grille ça. Sèche d'abord. On va griller. Ça va venir de me. Georges. Ah. Le naturopathe a dit que tu aimes. Georges, tu rapportes. Merci Mathieu Taki, merci, oh merci. Merci Mathieu Taki, bonjour. Merci Liliane Yamen, bonjour. Zaverim Bia et Sono, bonjour. Ma soeur Etone. C'est ma soeur Etone. Je sais que tu as fait l'échange chez toi là-bas. Il faut continuer. Tu as vu comment ta soeur est au champ. C'est bon. Ouais, ils ont déjà gâté l'onkea. Oh, il y a du... Je l'ai accroché, j'ai pointé ça où là. Tu
avait une machette, c'est une grosse machette ici. Je l'ai pointée sur la... Ok. Tu l'as enlevée après, hein?